Écoutez-moi bien, monsieur le maire adjoint, j'ai un truc à vous dire. Arrête de me taper sur la chaufferie. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi, Sbins? Au secours, à l'aide, quelqu'un! Monsieur le maire adjoint? Est-ce que c'est vous? Oui! Oh, bonjour, Captain Man, Kid Danger, est-ce que vous désirez de l'eau minérale? Non. Froide ou bien température ambiante? Ah, je laisse tomber. Aucun des deux. Au secours! Qu'est-ce qui est devenu complètement folle? On se calme. Je vous préviens, si vous faites un pas de plus, je coupe la corde. Non, ne la coupez pas. Écoutez, Casey, on veut juste parler. Oui, pourquoi vous ne nous diriez pas ce qui vous met en colère, hein? Si vous voulez, si je suis en colère, c'est parce que mon imbécile d'oncle, le maire adjoint, a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, quand je suis ici au travail, je vais devoir payer pour mes repas. Vous vous rendez compte? Casey, vous ne pouvez pas couper cette corde. Je suis d'accord avec Kid Danger. Si je peux. Les ciseaux peuvent couper n'importe quoi. Vous l'aurez voulu. Je suis pas convaincu que ce soit une très bonne idée. T'inquiète pas, j'ai un plan. Très bien, et c'est quoi ce plan? Joue le jeu et fais comme si j'étais sérieux. Compris. Qu'est-ce que c'est que toutes ces messes basses? On était en train de discuter de cette grenade à impulsion. Et dans 45 secondes, elle va réduire ce qui se trouve dans cette pièce en tout petits morceaux. Morceaux? Quoi? En tout petits morceaux? Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit morceaux? Qu'est-ce que ça change que j'ai dit? Des petits morceaux? Ça vous dérangerait de faire quelque chose? Je suis pendu à une fenêtre, la tête en bas! Tu devrais te taire, oncle Will! Cinglé! Plus que 22 secondes et ensuite, kaboum! Ne nous forcez pas à vous faire exploser. Vous n'avez qu'un état! Impossible! C'est impossible! Vous devriez fuir! Ouais. Ou bien peut-être que vous ne pourrez plus jamais manger le moindre repas. 7, 6, 5, 4, 3. Parce que, regarde, j'ai mis mon pouce juste là pour donner l'impression qu'il ne restait que 45 secondes. Mais en fait, je l'avais réglé sur 2 minutes et 45 secondes. T'as vu ça? Je dois dire que là, c'était bien joué. Pouce en l'air. Ouais, c'est marrant, ça. Oh, hé! Dites, est-ce que quelqu'un pourrait me remonter? Y a quelqu'un? Oh, allez, quoi? Aidez-moi! Oui, vous voyez, nous aimerions vous aider. Mais... étant donné que vous nous avez réduit notre budget, on doit demander de l'argent maintenant quand on fait du super héroage. Combien vous demandez pour me remonter dans mon bureau? Voyons voir, ça va vous coûter... l'intégralité de notre budget. Quoi? Non, soyez raisonnable. Ouais. Si vous voulez qu'on vous porte secours, il va falloir que vous nous rendiez tout notre budget. Plus 10%. Plus 10%. Et un bateau. Et un joli bateau. Un joli bateau. D'accord, très bien. Très bien, je vais vous rendre l'intégralité de votre budget. Ouais. Plus. Plus 10%. Et un joli bateau. Vous allez me remonter maintenant. Très bonne idée, le bateau. Oui, bon, alors, voilà, ça y est, on arrive. On vous remonte, A, C. D'accord, go. A, B, C. Bravo. Maintenant, je suis pendu à une fenêtre, le slip à l'air. Votre pantalon va bien. Enfermez-la. On a aussi sauvé une de vos chaussures. Oh, c'est bien. Qui veut de l'eau minérale? Oh, Casey, il y a autre chose dans la vie que l'eau minérale. Hé, c'est quoi ce bip-bip? J'en sais rien. Oh, dis, t'aurais pas oublié d'éteindre la grenade à impulsion? Oh, non.